Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je partage un secret de Comme Chaque Cherchon avec vous, que vous connaissez, c'est le Ismuzat. C'est un secret pour que les désirs se réalisent rapidement, sans tarder. Ce secret se travaille avec le verset 56 de Surat Al-Mu'minun. C'est pour avoir les bienfaits de toutes sortes qui vous viennent de toutes parts. Alors, comment il se pratique? Quelles sont les conditions à respecter? Quelle est la méthode de pratique? Alors, on va voir ça ensemble. D'abord, les écritures. Alors, sur vos écrans, les écritures d'abord. Vous devez écrire le carré que je vous montrerai trois fois. Ensuite, le verset dont je vous ai parlé, le verset 56 de Surat Al-Mu'minun, 66 fois. Et le talsam de Allah, qui est comme chaque chachoun, 66 fois. Alors, une fois que vous terminez les écritures, vous devez vous rincer le corps, vous devez frotter tout le corps avec, avant de faire le zikr. Ce zikr est à faire pendant 9 jours. Actuellement sur vos écrans, le zikr. Alors, vous devez commencer avec le istighfar 100 fois. Salat al-Fatih 100 fois. Ya Allahu 6084 fois. Ensuite, le verset 676 fois. Et le talsam, comme je vous cherche, 259 fois. Ce zikr, vous devez le faire pendant 9 jours consécutifs. Si vous avez un désir, que ce soit pour obtenir de l'argent, si c'est pour un voyage, vous voulez faire une demande, si c'est pour faire venir quelqu'un, vous faire un bien, si c'est pour prendre le crédit chez quelqu'un, si c'est pour avoir un bien chez quelqu'un, si c'est pour obtenir un projet, travailler dans ce projet et réussir, faites ce zikr pendant 9 jours. Vous allez voir dans les courts délais votre désir se réaliser. Alors à présent, le carré sur votre écran. Le carré que vous voyez sur votre écran, vous devez l'écrire 3 fois. Vous écrivez en wali au milieu, comme vous le voyez. Vous n'ajoutez rien là-dessus. Il est complet comme ça. Vous l'écrivez 3 fois, vous le mélangez dans le nasi, comme je l'ai expliqué dès le début. Et vous faites le zikr pendant 9 jours. Demain, Inch'Allah, je reviens encore avec une autre recette et tout à l'heure, je publie sur la chaîne anglaise. Je vous prie de vous abonner sur les deux chaînes et à tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.